Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Luigi Mansion sur GameCube. C'est parti! Donc nous voilà sur notre cher Luigi Mansion. Ça c'est la base un petit peu. Bah ouais, attends, c'est la base. C'est le jeu de base. Donc hop, j'ai une manette, hein, nickel. Donc y a pas de souci à ce niveau là. Donc là on peut pas y aller, c'est vrai. Bah attends, on va aller là-haut. Je connais un petit peu le début du jeu, hein. Bon, je me rappelle plus, ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué. C'est un truc de maths quand ça fait longtemps. Ok, donc là c'est fermé. Regarde. Ça c'est un bon vieux bruit ça. Ok, ok, là on ouvre, on ouvre. Mario. Mais vas-y, ça va, t'es connerie. Mario, Mario. T'as vu, il dit déjà Mario alors qu'il sait même pas qu'il est dans le manoir. Enfin, je crois pas. Hein. Si j'ai compris, Mario, il le sait qu'après. Waouh, une clé volante, attention. On va se faire plaisir, faut que je vous le dise. Donc on va jouer pas très longtemps non plus, hein, faut pas que j'agirais. Mais on va essayer de faire un maximum de trucs, hein. Donc on va un peu se dépêcher, on va pas non plus traîner, hein, voilà. Ouh, attention. Ah, je kiffe, franchement je kiffe. Tiens, on va prendre la clé, voilà. Yeah, attention, on a passé une étape. On a pris une clé, attention, ouais, franchement. Eh, t'as vu ? 30 FPS et tout, toujours 30 FPS. Oh, 31, 50 FPS. Pourquoi il y a 50 FPS? C'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'y a pas 50 FPS. Oui, donc toujours en 30 FPS, franchement, c'est un truc de malade. Ah, il n'y a pas le tum, tum, c'est juste le tum. C'est le tum, c'est le tum, tum. Wow, il est fou, il est fou. Aïe. Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Ah oui, bah j'ai compris. Je suis trop vieux pour courir après ces fantômes, ouais. Là au moins t'as le temps de lire, tu vois, c'est bien. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur Catastrophe. Quel jeu de mots. Cette maison semble attirer plus... semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune homme comme toi dans un coin comme ça? Voilà. Alors on va essayer d'attraper un petit peu tous ces fantômes. Oh oh, c'est vraiment affreux. Affreux, oui. Très bien, mon gars. Allez, je suis moi au galop. J'ai du mal à lire, hein. Faut dire aussi, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Hein, bah, il est 7h30 du matin, hein, donc tu vois bien ça. Tu es Luigi. Nos chemins devraient se croiser, je dois dire. Devaient se croiser, je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous? Ça, je sais pas. Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. D'accord. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé. Plutôt bizarre. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi? Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais... je n'aimerais pas gagner une maison hantée.
En te regardant bien, un détail me revient, un type avec un chapeau rouge, comme toi, est allé au manoir sans même s'arrêter ici. Eh ouais, t'as vu, j'ai prédit le chapeau rouge. Ah ouais, c'est Mario. Et je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. Ce type était ton frère. Mon dieu, mais c'est... Je sais pas quoi, j'ai plus le temps de lire. Je vais plus trop vite. Ces changes de survie contre les fantômes seraient nuls. Mon aide. Sans mon aide, tu dois le sauver. Voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Yeah! T'as vu ça? Il est content. Yeah, oui! Ouais, mais ça, à la limite, on s'en fout. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non? Tu peux aspirer plein de trucs avec et même parfois en recracher. C'est génial. Utilise le bouton R pour aspirer et le C pour changer de direction. Ah, je peux te le dire, c'est mieux qu'avec le clavier. Hein, parce qu'avec le clavier, mais qu'est-ce que c'était chiant. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux et on peut les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceci, c'est la seule chose qu'ils craignent. D'accord. Et si on commençait à ton entraînement, tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. D'accord. Touche-les avec un faisceau lumineux. Ça les étourdira momentanément. Après ça, c'est l'heure de l'aspi. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée de l'ennemi. D'accord. Et c'est donc que tu apprendras plus vite qu'en m'écoutant. Non, on s'en fout. Merde, t'as compris. Ouais, qu'est-ce que... Mais attends, juste comment on éteint la... Ah, c'est B, ouais, enfin... Ouais, bah attends, quoi que ça, rappelle-toi, inspiration, stylisation, ah oui, je m'en fous. Comme ça. Hop là. Voilà, c'est bon. C'est le temps de reprendre la main. Avec le bouton R et le stick directionnel, on s'en fout. Bouge le stick directionnel dans le sens opposé du spectre. Ouais, ça, j'avais compris. Non, attends. Ah, mais il est parti aussi, là. Alors, pour plus d'efficacité, bouge le stick dans la direction inverse par petits coups. D'accord. Avec ta lampe, quand il s'approche, plus tu élimines, mieux. Ok. Mince, je fais n'importe quoi. Ah. Bah voilà. On apprend petit à petit. Les gars, tu ne peux pas aller, machin. Là, là, voilà. Nanana. Ok, c'est bon. Alors, mince. Mais à un moment, Oui, oh non, j'ai cru que j'aurais pu en avoir plusieurs. Bon, malheureusement, non, mais c'est pas grave. Ok, vas-y. Voilà, petit à petit, on y arrive. Les chasseurs fantômes requièrent l'utilisation d'une torche en conjonction avec Ectoblast. Oui, ça, j'ai compris. Ça fera l'affaire. Alors, combien en as-tu attrapé? Je sais pas, une dizaine. Si, c'est bien joué, Luigi. C'est bien, je suis trop fort. L'autre il se pose la question 6. Ah bah attends, je suis pas sûr. Rien de tel qu'une bonne formation pour assurer. Nickel, repose-toi un peu. Je vais te montrer la galerie. J'en suis assez fier, c'est par là. Franchement j'en ai... Ouais, allez, c'est bon. On va voir la galerie. Allons-y. Hey, c'est parti, on va voir la galerie. Ouais. Ah, franchement c'est... Ah, c'est trop cool la galerie. Waouh, c'est trop génial. D'accord, bah jusque là il n'y a pas grand chose à voir non plus. Hein. Ouais bon, c'est bon, on va pas non plus s'embêter 10 ans. Hein. C'est bon, non, je peux pas y aller. Oui. Hein, ok, oui, je suis... Quoi? Oula, fini de méditer sur l'art aujourd'hui, Luigi. Alors, un GB horreur, qu'est-ce que tu me dis? Retourner au labo, désolé je te déranger. Bon, bah, on va retourner au labo. Ok, d'accord, bon. On va essayer d'aller chercher Mario, tout ça. Où vas-tu, Luigi? On va aller à manoir. Prudence, Luigi. Bah oui, c'est bon, ouais. Pas non plus avant. Avec ses vieilles lunettes en boîte de conserve, mon gars. Un truc de fou. Ouais, ça c'est le début, hein. C'est comme Resident Evil. Hein. Le premier épisode, ça bouge pas trop, y a pas grand chose. Ouais, c'est un petit peu. On apprend à jouer, quoi. On apprend à démarrer. Qu'est-ce qu'il y a, ça, le bébé? Je déconne. Où es-tu passé, Mario? Waouh, ok, d'accord. Et Luigi? Waouh, c'est Luigi, tu as réussi, joie.
Moi, eh bien, c'est la, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré. Ouais. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes et je n'ai vu Mario nulle part. Alors j'ai un peu flippé et je savais plus quoi faire. C'était affreux, horrible. Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Elle va faire une dépression ou un truc dans le genre. Je m'en charge, t'inquiète. T'imagines le mec. Salut. Salut. Merci Luigi, contente de te voir par cette nuit orageuse. Oui, bah c'est bon. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais, au moins je peux faire ça. Ah ouais, ah bah pourquoi pas, allez vas-y on sauvegarde, on est chaud. Voilà, bon bah c'est fini, allez salut. Non, quand même. Demande-moi de l'aide, oui, d'accord, de l'aide. Vas-y, je veux de l'aide là, vas-y. C'est tout je peux faire pour toi. Bah d'accord. Demande-moi de l'aide et l'autre il a rien à... C'est quoi, tu m'as saoulé, non tu... Quoi que ça. Commence pas à tomber sur moi. Hein. Ouais, fais gaffe toi. Fais gaffe, ouais donc on va aspirer ça. Et je sais plus où ça mène ça. Je sais plus où ça mène. Ah d'accord, sur Z on peut on peut voir 2-3 trucs ouais. Oh, ok d'accord, mais sinon je sais plus où ça mène. C'est comment qu'on fait? Ah ouais c'est comme ça voilà, c'est sur X ça. Alors du coup bah ça fonctionne pas. Ah ouais c'est comme ça voilà. Il faut appuyer sur A en fait pour que ça fonctionne. Et je sais plus ce que ça fait. On va voir. On va voir ça. Ah bah ça fait rien pour l'instant. Bon bah c'est pas grave, normalement ça te téléporte je crois ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Maximum de pièces et de tout ce qu'il faut quoi. On va toquer, non rien du tout. Est-ce qu'on va pouvoir aller là à gauche là? Je sais plus à quoi ça sert les pièces, je sais plus du tout. Non on peut pas aller là donc on va aller là. Et on va continuer un petit peu notre chasse au trésor. Bon alors. Non on peut pas récupérer ça, ah si, d'accord. Donc, c'est vrai que ça va être assez... c'est le genre de choses assez long de toujours récupérer les pièces et tout. Voilà, maximum de billets, tout ça. Mais je sais plus du tout à quoi ça sert, c'est un truc de malade. Mais je kiffe tellement ce jeu, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Du coup, je peux pas kiffer à fond, tu vois. C'est... Ah, c'est... ça m'énerve. Ah, je peux pas rentrer? Ah mince. Bah, je fais comment alors? Attends, on va essayer de toquer un peu de partout. Ouais, maximum de pognon, les gars. C'est de la balle. Ah là là là. Bon, allez, c'est parti. Hop, on toque un petit peu tout ça. Bon, bah, je pense qu'il y a moyen quand même de pouvoir trouver quelque chose, là. Attends, là, je crois qu'il y a des fantômes ici, attends. Faut juste les trouver, je pense. Attends, on va essayer de taper un peu de partout. Yeah, du pognon. Je sais plus ce qu'il faut faire. Normalement, on a une carte, je crois. Peut-être Y. Ouais, Y, la carte. Ah, attends, 2 secondes, toi. Ok, donc là, c'est fermé. Étage d'en bas. Ouais, c'est fermé. Je peux pas aller nulle part, d'accord. Et là, je peux pas aller là. Bah, je fais comment, alors? Je fais comment? Ouais, ça, c'est l'étage au-dessus, de toute façon. Donc, je pense qu'il y a un truc à... Ah, peut-être, attends. Voilà, j'éteins les lumières. Je sais pas quoi là. Voilà. Nickel. Yeah, il me semblait bien qu'il y avait un truc avec ces. Qui a éteint mes bougies. Nanana. Les pièces sombres sont dangereuses par ici. Winch. Enfin, oui, je sais pas quoi. Il est. Il aime les ténèbres et ils vont. Je sais pas quoi. C'est ton tour. Blabla. Ouais, bon, c'est bon quoi. Comme pour chaque chapeau rouge. Abonne-toi. Quoi? Non. Oh là là. Bon, c'est de la merde à lire, là. Donc, ils sont là. Alors, du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple, voilà. Non, attends, mais j'étais pas prêt aussi, là. Mais j'ai eu du mal à lire aussi, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux. Voilà, on l'aspire tout. On va essayer quand même d'aspirer un max. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait une clé. Ouais, d'accord, on peut plus sortir. Ah oui, attends, non, c'est comme ça, voilà. J'avais oublié la lumière. Ok, c'est bon. Donc je pense que ça va pas être très compliqué, il doit y en avoir genre 2-3 à allumer je pense. Hop là, tac. Voilà, et franchement, ah voilà tu vois, qu'est-ce que je te disais, 2-3, c'était exactement ça. Ah oui, les coffres et tout, c'est vrai qu'il y a des coffres des fois pour récupérer des choses. Ah, d'accord, franchement, ça reste quand même un petit plaisir à jouer à ce jeu.
Donc, le salon. Ok, voilà, donc on a la clé du salon, tout ça, ok, d'accord. Ok, donc ce qu'on va faire, on va ouvrir. J'en ai un petit peu bouché, on va dire, un petit peu dérangé, mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, c'est vrai que c'est. Ah oui, de la vie dans les. Ah ouais, c'est vrai. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai fait un turn, mais ouais! Eh ouais, mon petit! Bon, ouh, du pognon! Attends, du pognon, mec! Attends, mais y'a du pognon là! Qu'est-ce que tu me tues là? Ta connerie là! Ah ouais, c'est bon, nickel! Eh, franchement, mais trop kiffant, c'est trop kiffant, mon dieu! Ah, j'ai beaucoup joué à ce jeu, franchement, sur GameCube. Ah, mais attendez, vous êtes à je sais pas combien là! Yeah, j'ai les deux en même temps, les gars! Boum, allez, doublette! Ça, c'est bon, ça! Le mec, il s'est cru dans Call of, c'est. Je t'ai fait une doublette, ma gueule! Attends, non! Mais c'est de la triche aussi là. Oh là là. Mais lui il a pas disparu. Mais. Vas-y viens là, je te défonce pas. À la limite on va essayer de. Attends. Est-ce qu'on peut voir si on va sur la. Ah oui, on peut voir peut-être sur la carte, voir les zones qui sont. Ah ouais, peut-être les zones allumées et les zones non allumées. Donc il faudrait. À la limite ce qu'on va faire, on va essayer de faire toutes les zones allumées, comme ça moi je pourrais être pas mal. Oh franchement, mais cette carte graphique, mais je crois que c'est ma meilleure investigation. Le meilleur investissement que j'ai fait. Hein. 300 euros, enfin presque 300 euros, mais alors qu'est-ce que ça vaut le coup, bordel. Oh là 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 là, vas-y viens là, toi, viens là. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. L'autre il est bloqué. Eh non, ça a fait n'importe quoi aussi là. Vas-y viens là, voilà. On va essayer ouais, de mettre toutes les pièces, on va les allumer et tout, au moins ça sera tranquille, on sera bien. Oh, pop, qu'est-ce que tu fais là. Non, il va me taper, non. C'est bon, nickel, on l'allume. Oh, ok. Je sais pas s'ils peuvent me taper pendant que j'aspire quelqu'un. Oh, j'espère que non, hein, ça pourrait être sympathique. Ça rendrait le jeu plus sympathique. Tac. Allez, on va le tuer. Ouais. Yeah, ça va, on est bon. Ah oui, il met des petites. Oh, mince, attends. Voilà, il met des petites bananes par terre là, c'est marrant ça. Il est ouf. Vas-y, viens, qu'est-ce que tu veux, Mike. Qu'est-ce que tu veux. Voilà, ça c'est bon ça. Oh là, en dessous du pronom, on l'a défoncé la gueule. Ah, c'est bon. Et franchement, je kiffe là. J'ai kiffé. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas joué à le jeu. Ah, là, t'as vu, il y a un miroir. Donc on... Ah, d'accord, je pense qu'en fait, le miroir sert pas à se téléporter à une autre pièce. Enfin. En gros, on va dire la seule pièce où tu peux te téléporter, c'est au début. Donc tu sur n'importe quel miroir, tu te téléportes et ça te téléporte au début. Ah, donc on est ici. D'accord. Juste que moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas quand même. Donc on va aller voir ça. Ah, il y a un toad. D'accord. Ah ouais, donc c'est pour sauvegarder. Ok. Je suis content, mais que tu m'aies trouvé. Non, je suis rassuré, tout ça. Ok, ouais. Donc maintenant, j'ai allumé. Ouais, c'est bien. Ok. Est-ce qu'on voit sur la carte Est-ce qu'on voit. Ah oui, non, on voit pas. Ah, dommage. Ah, ils auraient dû mettre un petit toad comme ça sur la carte, histoire de dire, regardez, là, il y a une sauvegarde et tout. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. En attendant, franchement, on se fait plaisir, là. Oh là 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 là. Ce jeu, je le kiffe. C'est un truc de fou. Bon, on va pas trop s'embêter pour l'instant pour les pièces, tout ça. Bon, voilà, deux fois, comme ça, on regardera. Enfin, des fois, dès qu'on aura le... Enfin, dès qu'on pourra, on prendra des pièces, mais on va pas non plus le faire tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attends, Luigi, c'est moi, catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle. Oui, parce qu'il y a les bébés jumeaux, les machins, les je sais plus quoi. Sûrement les fantômes qui sont échappés de la galerie. Nanana. Ils sont très différents des fantômes que tu rencontres, que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. D'accord. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, des pièces. Attends, parce que c'est inversé, là. Est-ce que je peux pas inverser le... Attends, juste deux secondes. Je vais voir si je peux pas... Qu'est-ce qu'il me fait ? D'accord. Pouf. Ah, il n'y a pas les options là, bon, c'est dommage. Normalement, c'est. Enfin, les options, tu peux échanger qu'au début du jeu. Donc, on va tenter chaque porte. Hein. Qu'est-ce que je te lise, moi on n'a pas le choix. Wow. Ah mince, j'avais oublié ces portes là. Oh. Ah mince, j'avais complètement oublié, moi. Bon, on va voir avec quelle porte. Ok, d'accord, je retiens. Donc, hop, on va ouvrir celle-là. De toute façon, c'est la seule qu'on peut aller. Donc, bon. Ah, là, je crois que c'est le poète, je crois, non. C'est un truc comme ça, ou l'écrivain, je sais pas quoi.
Ouais, je crois bien qu'il a une tête d'écrivain, mec. Attends, juste comme... Ouh, je t'ai vu, toi. Non, je t'ai vu. Ouais. T'as vu? Il a une tête d'écrivain, ou... Enfin bon, comment je vais faire? Sur X, il avait dit c'est ça. Ouais, d'accord. Et wesh, attends. Je n'arrive pas à lire ça d'ici. Oh, putain. Oh, tu vois pas qu'il y a des... Comment on fait? Comment? Des fois, j'ai du mal. Hein. Oh là là, des fois, j'ai du mal. Ok, attends. Viens ici, toi. Bon, ça va être compliqué. C'est bon? Voilà. Oh oh, vas-y, essaie de me trouver, je ne te vois, et toi, tu ne me vois pas, oh oh oh, mais si, je te vois. Attends, je te... Mais attends! On va faire ça comme ça, on est... Non, c'est... Ah oui, attends, peut-être que si on éteint ça... Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout, là. Attends. T'as un truc à faire avec ça, là? Je sais pas, des fois, tu sais... Ah, je sais pas trop. Ah, attends, peut-être que. Non, je sais pas du tout, franchement. Je saurais pas à vous dire. Comment on va faire ça? Bon, y'a rien du tout ici. Wow, calme-toi. Ah, peut-être qu'il faut. Attends. Yeah, nickel. T'as vu ça un petit peu? Hop là. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Il faut peut-être. Oh, y'a un joyau. Non, j'ai un joyau. Bah, nickel. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, j'ai compris. En fait, il fallait éteindre la lumière suffisamment longtemps pour... Enfin, il fallait se tourner de lui, en fait. Ok, c'est bon, je te tiens, mon petit gars. Il fallait se tourner suffisamment longtemps pour éviter... Oh, non, j'étais presque. C'est dégueulasse. Donc en fait, il fallait se tourner, ouais, comme ça, il fallait être comme ça suffisamment longtemps pour que son cœur apparaisse. Regardez à gauche, hop là, il y a son cœur qui est apparu. Hop là, et bim, nickel. Ouais, donc, c'était une petite astuce, ouais, il fallait le trouver, ça faisait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, du coup j'ai un peu oublié, bon, bah, ça arrive, hein. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise? En attendant, hop là, on a une petite clé qui va nous servir à quoi? Eh, n'empêche, hein. À 30 FPS, toujours et tout, là, ça, c'est bon, ça. Donc, ah, la clé juste à côté, ok, d'accord. Bon, on va essayer de se dépêcher un petit peu, hein. Voilà. Bon, alors, du coup. Non, c'est pas cette porte. C'est cette porte-là. Ok, nickel. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a un miroir. D'accord. Là, on a quoi, là? Oh, un petit... Nickel. Mais je sais plus du tout à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut les aspirer? Non, on peut pas les aspirer. Oh, il y a un toad. Ah, ça doit être le toad de la dernière fois. Ah ouais, ça doit être le... D'accord, ok. Bizarre, ouais. Enfin, je sais pas, ça doit être un truc comme ça pour essayer de l'avoir. Ça doit être comme ça qu'on doit faire. Tu veux voir si je peux pas aspirer le lit. Enfin, le... Non, je peux rien faire. D'accord, ok. Bon, alors, on va essayer de faire comme ça. Hop. Voilà. Et puis de la surprendre comme ça. Yeah, il me semblait bien que, tu vois. Voilà, donc j'ai bien fait de regarder ça. Tac, 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 tac. Puis on va faire comme ça. Non, comme ça. Je m'en fous, je vais t'avoir. Comme ça. Ouais. Wow, qu'est-ce que tu me fais là? Ok, d'accord. Oh, il était à 29 FPS, c'est pas bien. Donc on va reprendre ça. Et cette fois-ci, on va y arriver. Hop là. Nickel. Bon, petit à petit, hein, des fois, on a besoin de plusieurs fois pour réussir. Mais l'autre, j'ai failli faire du premier coup, hein, t'as vu, c'était... J'étais à 9 pour l'autre, hein, donc c'était pas mal, quand même. C'était pas mal. Ouais, non! C'est dégueulasse! Le ciel, elle s'excite, là, dans tous les sens, là. Non, hop, là. Nickel. Vas-y, attends, vas-y, reviens. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Hop, et je te défonce, ma tête! Nickel, allez, encore un petit coffre. Eh, franchement, génial. Je kiffe. Donc, ça donne quoi? Une petite clé, comme d'habitude. Je sais vraiment plus du tout à quoi ça sert, les sous, les perles non plus, je sais plus. Sûrement acheter des trucs, hein, mais enfin des choses, mais je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Donc, il n'y a rien d'autre, c'est bon. On va peut-être faire un petit coup là. Nickel, maximum d'argent et tout ça. Nickel. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va aller en face. Enfin, pas tout à fait en face, mais... C'est bébé jumeau, c'est ça? Ouais, vu la musique.
C'est obligé, c'est ça. Parce que je crois que c'est ici qu'elle est, dans cette partie-là, je crois. Ouais, c'est ça, t'as vu, c'est les bébés jumeaux. Bon, alors. Eh, j'ai un petit souvenir, quand même. Ah ouais, ça me dit un truc, le... Attends, attends, on va taper. Je pense qu'on va se faire les bébés jumeaux et on va s'arrêter là. Ouais, non, je voulais taper le petit truc, mais il n'y a pas. Enfin, on peut pas. Ok, on peut pas taper ça, ouais. Ça... Ok, nickel. Un petit peu de vie, c'est toujours plaisir. 10% si je me rappelle bien, ou 20. Ah non, c'est 20%. Ah, 30. Ah ouais, d'accord, ça fait combien de pourcents, ouais. Ah ouais, c'était un gros, c'était pas un petit, c'est ça. Voilà, donc normalement, on doit utiliser le ballon, je crois, pour faire quelque chose. Mais je saurais plus te dire quoi. Peut-être pour le mettre dedans, je sais plus. Peut-être pas maintenant, hein. Non, c'est pas ici, les bébés jumeaux. C'est peut-être que le bébé, en fait, je me suis trompé. Je sais pas. Ça doit pas exister, les bébés jumeaux, je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout, qu'est-ce que tu veux que je te lise. Alors juste que... Attends, arrête de tomber. Ouais, je sais pas du tout ce que je dois faire avec. Yeah, nickel, il fallait faire bouger le petit truc là, le petit truc à cheval. Hey, tu veux jouer avec moi? Bah, pourquoi pas, vas-y, on est chaud. Attends, la lumière. Mais attends, ici là. Qu'est-ce que tu veux là? D'accord, mais attends, on va jouer. Vas-y, viens, je te pète les dents, moi. Viens, même si t'en as pas, je te pète les dents, moi. Qu'est-ce que tu vas faire, mon... Attends, le ballon, mais vas-y, reviens. Attends, je veux le ballon, s'il vous plaît. Non, gaffe. Ballon, s'il vous plaît, non, fais comme ça. S'il vous plaît. Ok, nickel. Je te tire ça dans la tête, bam. Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Se passe. Ouais, attends. Donc, aïe, tu m'as fait mal. Waouh, jure, c'est vrai. Je voulais juste jouer avec toi. J'aime pas les adultes. Mais je suis pas adulte. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre. Oh, bah, t'es pauvre. Enfin, vite fait plus grand, quoi. Petit maintenant devient plus petit. Ah ouais, on va aller dans son lit et tout. Je suis un truc comme ça. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Waouh! Oh là, je te jure. Bon. Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que je te dis dans son lit. Là, on va devoir lui défoncer la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, ok. Du coup, ça donne quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Là, il va gueuler, voilà. Voilà. Ouais, ça, je me rappelle bien, ça. Ah bah attends, ça s'oublie pas des trucs comme ça, hein. Ça fait tellement flipper, ça te marque à vie, hein. Non, je déconne. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je sais qu'il faut esquiver à la limite, mais ça... À la limite, ça... Ah ok, donc j'ai pas de lumière déjà. Déjà j'ai pas de lumière, c'est déjà ça. Comment je vais faire pour t'exploser toi? Ah, je sais, voilà, c'est bon. Okay. Attends, le ballon. Je veux le ballon, s'il te plaît. Voilà, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'exploser. Boum, voilà. Viens ici. Comment on fait? Attends, vas-y, respire. Voilà, nickel. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est bon. Voilà, non, comme ça. Ah, dommage. Bon, c'est déjà pas mal, franchement. On a déjà bien commencé. Ouais, vas-y, continue à gueuler. Vas-y. Oula, attends, calme-toi, mon gars. Je t'ai rien fait, moi. C'est pas moi. Voilà, ça va. C'est pas trop compliqué. Pour l'instant, c'est le début. On est plutôt bien. Ah, c'est plus marrant que compliqué, généralement. Généralement, sur ces jeux-là, c'est plus de l'aventure qu'autre chose, tu vois. Ok, j'esquive, nickel. Ouais, attention que tes ballons tombent, hein. Ouais, fais gaffe. Voilà, c'est bon. Ok, nickel. Donc, on va prendre notre gerballon. Hop, et on va t'exploser dans la face. Et moi, je suis pas visé comme un con. Non, mais t'es sérieux, gros? Vas-y, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait n'importe quoi. Et arrête de dandiner comme ça, hein. Espèce de malade. Et mais il veut absolument me mettre dans la face, hein. Espèce de grand malade. Ok, des ballons. Ballons. Oh, calme-toi. Calme-toi. Merci. Bon, alors, viens ici, toi. Ce que je vais faire, parce que c'est vrai que je suis un peu bête, j'ai oublié d'enlever la souris de devant l'écran, voilà. On va mettre la souris sur le côté. Attends. Il faut l'aspirer aussi. Allez, aspire-moi ça.
Voilà, oui. Oh oui, il est bloqué, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah non, c'est comme ça, mais je suis... Je me disais que ça allait pas vite, tu vois, mais je faisais avec l'autre joystick. Avec le joystick droit et pas le joystick gauche. Tu m'étonnes que ça fait n'importe quoi après. Bon, allez, hop, voilà, on est plutôt bien. Putain, pourtant j'avais une chance et tout là. C'est dommage. Bon, alors, tranquille, mon pays. Qu'est-ce que tu veux là? Calme-toi. Hop. Comment tu m'as trop bien eu? Espèce de malade. Mais non, mais arrête. Ouais, j'ai eu de la chance. Ok, calme-toi. C'est parce que t'es bientôt mort que t'es obligé de t'exciter. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, je c'est pas très compliqué. Voilà, hop, le ballon c'est lequel là? C'est celui qui est là-bas. Ok, on va le chercher. Je veux mon ballon. Attends. Voilà, nickel. Et regardez-moi ça, on va le tuer. On va l'aspirer plutôt, parce qu'on va pas le tuer, on va l'aspirer. Voilà, nickel. Tranquillou. Bon, c'est nickel ça. Oh, coffre en or et tout. Truc de malade. Attends. Oh, c'est quoi cette clé? Quoi c'est, hein? Pour ouvrir une porte? Point d'interrogation. Crisez-vous le dieu. Bon. Tu m'entends? Non, pas du tout. Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Mais d'un côté, c'est toi qui as reproché tout à l'heure. Hein. Alors, tu me sembles fatigué après cette blague. Après cette longue bataille, tu as une petite mine. Pas du tout, non. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre quand tu aspires? Oh là là. Est prêt à exploser. D'accord, ok. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. D'accord. Je n'arrive plus à lire. C'est un truc de malade. Travail, c'est toujours entier. 20 ans à construire. Un portrificateur. Carrément. Ouais, transforme les fantômes, ouais. D'accord, ok. Bon, on va voir ça. En gros, il fait des... En gros, il met les fantômes. Et puis après, il les met dans un cadre... Je sais plus comment ça s'appelle. Un cadre... Attends, je vais te dire, c'est un cadre... un cadre de tableau, voilà. Bon, alors... Qu'est-ce que ça donne? On va avoir les trois fantômes, là. Ouais. Donc les... D'accord. Elle est transformée en magnifique portrait du coffre. D'accord. Ouais, bah c'est bon, je sais qu'il est 8h, je suis pas tombé. Ouais. D'accord, ok. Donc on a les trois. Merci Luigi, grâce à toi, j'ai pu transformer ces fantômes en joli tableau. Tu m'étonnes. Moi je fais tout le boulot et toi là, t'es là comme je sais pas quoi, mais je sais pas quoi, il y a un moment, bon, il y en a marre. Bon alors du coup, Neville, Lydia et Olivier, d'accord, Oliver je veux dire. Ok, vous avez pris au total 3 fantômes, ça franchement, il n'y a rien à dire, c'est beau gosse. vous avez trouvé 110 pièces, ouais, 55 et ok d'accord, j'ai trouvé une gemme, ouais, ouais des perles, ouais. D'accord, et ça sert à quoi c'est A là? Oh, en fait, on s'en fout, c'est juste un score, c'est ça? Donc, ouais, je veux bien sauvegarder. Bah, on va s'arrêter là, hein? Ouais, comme je vous avais dit, on faisait le bébé et puis on s'arrêtait là. Donc, bah, nickel. Alors, ouais, donc, hop, fichier, hein, faut sauvegarder. Où vas-tu, Luigi? Bah, pour l'instant, je vais nulle part. On va juste voir la salle d'entraînement, voir ce que c'est. D'accord, c'est ça, ça. Évite la lumière, tous les photos. Ah mais je connais tout ça, je connais. Tu m'as déjà dit tout à l'heure. Oh, je vais aspirer sa race, ouais, ça. Pas possible ça. Mais enfin bon. En attendant, on a vu un petit peu tout le jeu. Enfin, tout le jeu. on a vu un petit peu tout le délire. C'est plutôt pas mal. Oui, bon, arrête avec tes conneries, toi, je m'en fous. Comme ça. Donc, on peut pas monter, on peut pas... Dommage.
Bon, en attendant, franchement, ça fait plaisir, on va quitter ça. Voilà. Donc, ouais, donc on s'est fait plaisir quand même. On a vu un petit peu notre Luigi Mansion. On a vu ce que ça donnait. Ah là là, bah dis donc. Un peu plus, moi. Bon, voilà. C'est vrai que c'est, je sais pas, c'est dommage. Je suis obligé de toute façon, hein. Je peux pas faire autrement que faire mes vidéos le matin. Je peux pas, l'après-midi, j'ai pas vraiment la possibilité de le faire. C'est... Ça m'énerve, c'est un truc de fou. Dimanche soir, j'ai dû faire une nuit blanche pour faire des vidéos en avance, parce que sinon j'aurais pas eu le temps. Non mais c'est un truc de fou, ça m'énerve, enfin bon, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Et bah du coup, voilà, donc, j'avoue que c'était pas non plus trop dynamique, mais on se fait plaisir, enfin moi personnellement je me fais plaisir avec ce jeu, c'est tranquille, donc ça passe déjà bien. Bon, moi ce que je vais faire, c'est jouer aussi sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, puis la prochaine fois je pense qu'on va bien s'éclater encore, et ça sera peut-être un petit peu mieux, j'espère. Bon allez, moi je vous laisse sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.